5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Au départ, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est sérieux? Mais quand je suis arrivé, j'ai été surpris de tout. C'est un bon stage et c'est vraiment sérieux et très professionnel. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment très surpris en arrivant. Tout est à disposition. On a vraiment un staff vraiment très élargi, que même certains clubs n'ont pas d'ailleurs. On est quasi comme un club. On vit vraiment avec un groupe, avec un staff. On a vraiment les rituels de stage de préparation qu'on peut retrouver dans un club et ça tu peux pas le remplacer même si tu travailles avec un préparateur physique. Ici on a tout pour se préparer physiquement, donc voilà, que ce soit sur du travail collectif et du travail individuel. Voilà, il y a beaucoup de travail qui est assez personnalisé aussi sur nos forces et nos faiblesses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement fait en club. C'est une grosse force de ce stage. Il n'y a aucun voyant rouge pour ne pas venir ici. Et honnêtement, c'est la folie. On peut jouer contre des clubs professionnels. Et c'est ce qui est le top pour la visibilité, pour se remettre aussi en bonne condition. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas et de venir. C'est bien de s'entraîner tout seul, je l'ai fait moi-même. Et rien ne vaut le carré vert. Ça veut dire que ce qu'on fait ici, on est dans des conditions de club. On bosse comme si on était en club et on est aussi bien préparé que si on était en club. Mais là, c'est nous qui les avons remis. Parce que si on reste dans nos principes, on ne les voit pas du tout. Parce que vous, hein. Pas parce que, parce que quand on les regarde jouer, on les laisse. Il y a de la qualité, encore une fois. Mais parce qu'on est en place, parce qu'on monte, parce qu'on communique, parce qu'on fait les choses bien. N'hésitez pas à vous inscrire et venir faire le stage du NFP si à un moment donné de votre carrière vous en avez besoin.